Salut à tous, c'est Pixaï, on se retrouve donc pour un nouveau Panthéon et on va conclure donc les Panthéons qui traitaient des 7 mercenaires. Nous avons fait l'original de 1960, sa réécriture avec mille et une pattes en 1998, et donc on avait un petit peu aussi évoqué les 7 samouraïs, mais ce soir on va donc parler du tout dernier film qui est sorti en 2016 et que j'avais déjà critiqué, les 7 mercenaires version 2016. Donc ce film d'Antoine Foucault, je l'ai vu en 2016, comme je l'avais dit précédemment, j'ai vu le lendemain après avoir découvert l'original, et je trouve quand même que quand on parle de remake, la plupart du temps, c'est très péjoratif dans le monde du cinéma, c'est toujours pour dire que c'est souvent pas réussi. Eh bien je trouve qu'avec ce film, on ne peut pas dire ça. Ce serait vraiment mentir. Les 7 mercenaires de 2016 est vraiment une très belle réécriture, un très très beau remake, avec énormément de qualité, énormément de progressisme. On a fait en sorte que ce film soit au moins à la hauteur du premier, à la hauteur de l'original, si ce n'est même meilleur par endroit. A commencer par le casting qui, je trouve, est vraiment meilleur que dans le premier. La volonté du réalisateur pour ce remake était donc de vouloir faire une Amérique à l'image des 7 mercenaires, qui soit beaucoup plus diversifiée, avec 7 hommes cette fois-ci qui ne seraient pas tous blancs et forcément américains purs d'origine, mais ici on va donc avoir par exemple un amérindien, vous allez avoir un chinois, et vous allez avoir également un afro-américain, la personne de Denzel Washington qui tient le rôle principal. Quant à l'histoire, elle est tout à fait pareille, sauf que cette fois-ci elle ne se passe pas dans une ville mexicaine, mais dans une ville américaine, ça ne change pas énormément de choses. On a moins affaire à des fermiers, on a plus affaire à des commerçants, mais c'est la même histoire, avec un espèce de gangster, cette fois-ci un requin de la finance, qui va chercher à déposséder donc tous ces habitants de leur terre. Côté western et côté spectacle, comme je vous l'avais dit, là aussi, ça essaye, et ça réussit même, à magnifier le premier film, à essayer vraiment de plonger au cœur de l'action, avec les moyens d'aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des scènes bien plus explosives, beaucoup plus western peut-être. Vraiment, tout le paquet est mis là-dessus et on retrouve ce qui fait vraiment le charme du western, ce qui fait vraiment toute la patte, toute la puissance justement d'un combat de regard dans une ruelle et le charisme de tous ces cow-boys, de tous ces gentils guerriers qui vont se mettre au service d'une communauté. Bien sûr, c'est un petit peu la tradition lorsqu'on touche un petit peu à cette histoire, cette samouraï, cette mercenaire, de placer quelques références, puisqu'il s'agit d'un remake, vous allez avoir quelques phrases qui seront quasi identiques, des répliques qui vont être rappeler quasiment mot pour mot pour donner justement un sentiment d'identité, de respect là aussi, et de remise en contexte de la situation du premier film. Donc au final, pour le bilan, je trouve que c'est vraiment un film très très classe, largement à la hauteur du premier, parce que justement il est vraiment fait avec un regard neuf, avec un regard plus jeune, beaucoup plus de l'époque donc de 2016, puisqu'il est puissant, il y a beaucoup d'émotions. C'est très marrant, c'est très fun, ultra sympathique et donc très très cool. On n'a pas forcément besoin d'aimer le western, je pense, pour comprendre et se plonger dedans. C'est un petit peu aussi le cas du premier 7 mercenaires. C'est vraiment une œuvre très facile, très américaine, très blockbuster. La recette est juste parfaite, les persos sont super attachants, le contexte est épique, vraiment. Donc vraiment, parmi toute cette belle collection, ça fait vraiment partie des Blu-ray que je suis le plus heureux de regarder, de posséder. C'est vraiment une pièce maîtresse dans ma collection et je vous recommande vivement de regarder, si ce n'est pas encore fait, le remake des 7 mercenaires. Salut à tous!